Aux quatre coins du monde, y a des enfants maltraités, des pères décédés, des mères violentées, des frères tombés en prison pour des mauvais choix, sont devenus prisonniers de leurs péchés. Dans ce monde de merde, seul Dieu peut nous aider et nous aimer. Aux quatre coins du monde, y a des enfants maltraités, des pères décédés, des mères violentées, des frères tombés en prison pour des mauvais choix, sont devenus prisonniers de leurs péchés. Dans ce monde de merde, seul Dieu peut nous aider et nous aimer. Que les gens sont blessés, que des filles se font violer, autres pensent à se suicider. Toujours penser à te réveiller de l'agressivité. Les femmes battues, ça va être convaincu, sans avoir un but. Mais toujours la violence qui existe, qui persiste, autant physique que mentale. Ça se faire battre, ça devient une relation toxique. Dans cette violence que beaucoup l'ont vécu. Et craignent et contrôlée par la haine dans ses gènes. Que la vie mérite de se faire protéger, se faire vivre, s'en sentir comme une peine. Pas trop de stress et des gestes qui blessent. Faire des mauvais choix aux quatre coins du monde, remplis de jalousie, des relations toxiques. Mais tous les artistes ont écrit à ce sujet. Un job. Quatre coins du monde, y a des enfants maltraités, des pères décédés, des mères violentées, des frères tombés en prison pour des mauvais choix, sont devenus prisonniers de leurs péchés. Dans ce monde de merde, seul Dieu peut nous aider et nous aimer. Quatre coins du monde, y'a des enfants maltraités, des pères décédés, des mères violentées, des frères tombés en prison pour des mauvais choix, sont devenus prisonniers de leurs péchés. Dans ce monde de merde, seul Dieu peut nous aider et nous aimer. Aux quatre coins du monde, y a des enfants maltraités, des pères décédés, des mères violentées, des frères tombés en prison pour des mauvais choix, sont devenus prisonniers dans leurs péchés. Dans ce monde de merde, seul Dieu peut nous aider et nous aimer. Aux quatre coins du monde, y a des enfants maltraités, des pères décédés, des mères violentées, des frères tombés en prison pour des mauvais choix, sont devenus prisonniers dans leurs péchés. Dans ce monde de merde, seul Dieu peut nous aider et nous aimer.